Salut tout le monde, c'est Kathleen86. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Voilà, j'ai décidé de faire une petite ouverture de Lucky Block. Donc, bah écoutez, allons-y, c'est parti. Hop, on part tout de suite en minage. Hop, on reprend la vue normale et on y va. Hop, comme vous voyez dans ma barre d'action, j'ai 10 lucky blocks à ouvrir. Donc j'espère qu'il y a vraiment du bon. Ah bah écoutez, il y a un joueur juste là. Alors son pseudo, Steam 3. Bon bah écoute. Hein. Bon jeu à toi. Donc on va s'éloigner le plus possible de la zone de départ. Sinon il va y avoir des problèmes d'affichage. Étant donné que dans les environs du spawn, on ne peut absolument rien faire. Ni casser le bloc, ni en poser. Ni même jeter quoi que ce soit par terre. Donc on est à moins 150 blocs. On va bientôt pouvoir s'y mettre. Oh. Bon, c'était pas complètement prévu de tomber, écoutez, on va remonter un peu. Bon, pourquoi j'arrive pas à monter par contre? Voilà. Et nous sommes remontés. Donc écoutez, on va se poser là tranquillement. On fait attention aux trous qui traînent. Il n'y a pas une belle zone. Allez, c'est parti. On va commencer. On ouvre le premier lucky block. C'est parti. Croisons les doigts. Ok, zombie héros, je ne sais pas du tout ce que c'est. Quoi? C'est quoi zombie héros? J'ai l'impression de m'être fait de troll. Bon, bah écoutez, j'irai voir plus tard sur TS pourquoi il n'y a absolument rien sur zombie héros. On va passer au second. Là-haut. Ok, très bien. Des entités pas la mode ballon. Ok, très bien. Et je suis censé faire quoi en fait? Il y avait quelque chose dans le chat? Absolument rien. Bon. Très bien. Comment je me débarrasse de ça? Oh oh. Ah. Bon. Très bien. Bah écoutez, on a vu d'un peu plus haut la zone où je me trouve. Passons au troisième. Picasso. Très bien. J'ai des tableaux porte-bonheur. Je suis très contente. Merci beaucoup. Allez, on passe à la suite. Et allons-y. Instant break up Kezaku. Il me semble que tu avais une pioche des dieux.
Yes, je viens de me faire voler ma pug. Ma pug, level 20, c'est très bien. Ok, bon, bah écoutez, hein, c'est pas grave, hein, je vais en faire une. Hop, Citrape. Oh non. Non, 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 je sais ce que c'est. Puisse le sort vous être favorable. Ok, merci beaucoup. Ok, donc en fait on m'a mise dans une prison d'obsidienne. Bah écoutez, on va essayer de gérer ça. Moi, on me donne de l'obsidienne, je prends, tout va bien. Il n'y a aucun souci. Après, est-ce que j'enrage d'avoir perdu ma pug level 20 Beagle 2? En vrai, non, ça va, je gère. Je suis level 20 en mineur, donc je vais facilement pouvoir m'en faire une. Donc honnêtement, c'est pas bien grave. Bah, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absis hein, dans ma prison. Et vous voyez l'utilité de m'être fait voler ma pog? C'est que maintenant, j'ai un emplacement pour ramasser le psy. Voilà, je vais prendre les choses avec la positive attitude. Et juste après, j'irai me faire une pog level 20. Je vais voir, peut-être que je vous le ferai en vidéo. Alors, pas level 20 parce que vous allez vous ennuyer pendant les 20 niveaux. Mais je vais monter peut-être, voilà, 19 à 20 et je vous montrerai comment on met gros trous dessus. Comme ça, si vous ne savez pas faire, vous le verrez en vidéo. Moi, je me referai ma pog et tout ira bien. Est-ce qu'il y a des rollbacks? Un petit peu. Non, mais par contre, je veux bien un psy trap, hein, mais il y en avait combien? J'ai déjà un stack. Alors, un stack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un stack de 64 blocs. C'est le maximum qu'on pourra avoir en item. Sauf les items purs et durs qu'on ne peut pas accumuler, comme les pogs, les pioches et autres. Par exemple, les fioles de verre se stack jusque 16 et pas 64. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc, allez, on récupère le psy, comme ça je la revendrai. Ce sera pas perdu. Donc vous là derrière votre écran, si jamais un jour vous ouvrez des Lucky Blocks, prévoyez une deuxième pioche, hein, on sait jamais. Je me souviens plus par contre c'est quel event qui m'a fait perdre ça. On va regarder après le Lucky Stat. Je viens de commencer il y a peu de temps. Allez, allez. Il y a combien d'épaisseur? Ah, un bloc, on sait. On a quasiment fini.
Alors, je suis désolé si vous attendez la suite, mais il est hors de question que je laisse le psy. Et on sait jamais, hein, je pourrais perdre à nouveau ma pioche. Donc, je la récupère maintenant. Et voilà, nous avons récupéré donc un stack et presque deux en fait d'obsidienne en un lucky block. Bon, allez, c'est parti, j'ai beaucoup trop traîné à casser l'obsi. On reprend. Nous sommes à la moitié du lucky block, c'est parti. Badaboum. Ok. Badaboum. Très bien, très bien, très bien, très bien. Allez, sur. On va aller ailleurs. Il y a un peu beaucoup de trous là. C'est parti. Pyro barbare, qu'est-ce que c'est? J'ai eu un briquet de blaze. Attention, ça chauffe. Pourquoi pas? Allez, on continue. Plus que 3 lucky blocks. On espère avoir un peu de chance. Parce que là, c'est vraiment catastrophique. J'ai perdu ma poille, je me suis fait enfermer. Dans un... Et là, ça sent le serpent, non? En plus, il pleut. Quoi, y'a rien? Ok, très bien. Bon, bah écoutez. Picasso, encore? Bon, bah écoutez. Rien note. Et le dernier, ce sera... Allez, allez, allez. Un petit espoir, hein, s'il te plaît. Boum. Eh bien, c'est terminé pour nous. Très bien, très bien. Alors, faisons le bilan. Nous avons donc gagné un briquet de blaze, 6 tableaux porte-bonheur, presque 2 stacks d'obsi. Et qu'est-ce que j'ai perdu? Bah, juste une pog level 20 avec Beagle 2, hein, écoutez. Bon, alors, c'est pas grave, on va se concentrer et rapidement et faire un tour sur le Lucky Stat. Alors, je suis à 8%, j'en ai eu 16 sur 181, c'est plutôt pas mal, j'ai fait 5% ce soir. Alors, j'aimerais bien retrouver lequel m'a mise dans l'embarras. Instant break. Voilà, c'est celui-là. Méfiez-vous, partez surtout avec rien d'important avec vous la prochaine fois. Si un jour vous essayez, vous avez vu ce qui s'est passé pour moi, ne faites pas la même erreur, pas de bug level 20, surtout pas. Donc, bah écoutez, c'est ici que on va s'arrêter. Je vous souhaite un bon moment en attendant la prochaine vidéo, et puis à la prochaine. Allez, salut.